Salut tout le monde, aujourd'hui on va tout simplement pas faire 3 attaques, mais on va tout simplement regarder les 3 attaques. Allez, c'est parti! Donc comme je vous ai dit, on va tout simplement regarder 3 attaques. Alors regardez un petit peu. Une attaque gagnée, une attaque gagnée, une petite défaite, ça arrive des fois. Une attaque gagnée, une attaque gagnée, une attaque gagnée, une attaque gagnée, une attaque gagnée les gars. Ça c'est bon. Hey, c'est quand des niveaux 2-3 hein. Ah, c'est pas rien, c'est pas rien. Franchement c'est un truc de fou. Bon après ça c'était avant. Ah non, attends, c'était pas là, c'était là avant, voilà. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que bah, on va regarder le premier gameplay, puis on va regarder 3, et puis après on regardera les 3 autres gameplays demain. Voilà, on va faire ça comme ça, parce que ça, à la limite je le mets samedi, et puis après je vais le mettre dimanche la suite. Voilà, alors regardez-moi ça. Donc là tranquillou, il est content, il attaque, tu vois, il est niveau 3, il est content tranquillou. Il fait genre ouais j'ai gagné tranquille et tout. Moi je mets mon petit géant à droite, tranquille. Je défends tranquillou à gauche. Et puis voilà, ça passe bien, tu vois. Donc après, bon, on est tranquillou, péperlu. Voilà. Après, je dis ça comme ça. On va peut-être se faire même 4 gameplay, étant donné que après, il y a beaucoup de gameplay. Je sais pas trop. Je verrai. Ou alors, sinon, je suis en 3 parties. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. En 3 parties, comme ça. Allez, on est chaud, on fait en 3 parties. Eh, je suis désolé, mais bon, il faut faire en 3 parties, c'est comme ça. Voilà. On est chaud, on fait en 3 parties. Sinon, après, c'est vraiment trop long, les gars. Après, ça fait des vidéos de je sais pas combien de temps. Wow, c'est bon quoi, hein, bon, hein, tu vas pas non plus, bon. Voilà, après j'ai pas forcément aussi le temps de mettre en ligne, hein, parce que là, ce week-end, je suis pas là, donc, on est vendredi, t'as compris le délire? Voilà, voilà, moi j'ai pas une connexion, hein, j'ai pas la fibre. Alors, regardez-moi ça, les dégâts que je fais à droite. Oh là 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 là, et c'est énorme, c'est énorme. Regardez-moi ça à gauche, comment tu vois, je mets juste un petit PK pour défendre, hein. Pas plus, pas moins. Il me détruit une tour, pas de soucis. Mais non, mais c'était prévu de toute façon, c'était prévu, hein. J'ai fait exprès de pas trop défendre parce que je savais que de toute façon, sinon si je défendais, de toute façon il allait vite fait me casser ma tour, donc autant que j'en profite et que je lui casse un max ma tour. Alors là par contre j'ai eu un petit peu peur par rapport au squelette, mais finalement les deux tours à elle tout seul, elles ont bien bombardé quoi. Donc ça passait bien, et puis regardez-moi ça là-haut. Vous avez vu ça un petit peu là-haut? Vous avez vu ça un peu? Ça a fait mal quand même, hein. Ah ça a fait mal, le mec il a pas défendu, ça a fait très mal, hein. Du coup moi j'ai continué tranquillou, tu vois. Et le truc, bah voilà, tu mets des petits, tu mets de la petite défense là, les gobelins en défense, puis voilà, la sorcière qui fait du taf, hein, y a pas de soucis pour ça. Regardez-moi ça, le taf qu'on fait. Et là, pouf, c'est fini. Et ça, c'est que le premier gameplay, hein. Et après, les autres, c'est pareil, quoi, c'est vraiment du défonçage comme ça, c'est un truc de ouf. Alors, je suis pas très bon commentateur, donc veuillez m'excuser si je dis n'importe quoi, mais bon, malgré tout, on fait comme on peut. En attendant, Oh, tu vas cliquer, oui. En attendant, je veux absolument vous montrer tous ces gameplays. De fou, hein, de fou. On va se le dire. Je suis niveau 1, puis niveau 3, ils sont là. Ils se disent, tiens, je vais gagner easy. Et finalement, bah, et ben, je l'explose. Ça, c'est bon, ça. Alors, bonne chance, ouais, pourquoi pas, voilà. Hein, petite bonne chance du départ, comme d'hab. Surtout que c'est un petit niveau 3, du coup, j'en profite. Tu vois, petit sourire, petite bonne chance, tu vois. Voilà. Le mec, tu vois, forcément, il va croire qu'il va gagner, c'est niveau 3. T'imagines comme la différence entre niveau 1 et niveau 3? Bon, à la limite, là, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, entre 1400 et 1624 sur la tour. Mais bon, malgré tout, ça fait quand même 2 niveaux de plus. C'est déjà ça. Et franchement, ça fait plaisir quand même, ces combats que je me suis fait. Ah, à chaque fois, je gagnais, et puis à chaque fois, je me disais, oh là là, oh, mais qu'est-ce que j'ai explosé, le mec. Ça, c'était bon, ça. Oui, entre-temps, j'ai changé de deck aussi, hein. Enfin, j'ai changé un petit peu... J'ai remis des flèches par rapport au gobelin à lance. Tu vois le bâtiment là qui fait spawner des gobelins à lance. Et ben j'ai mis des flèches à la place parce que bon bah gobelin. Enfin le ouais. Tu vois le bâtiment. Tu vois c'est pas trop mon truc. Et puis bon bah voilà quoi. Les flèches sont plus utiles. J'en ai vraiment besoin et ça coûte vraiment cher le. Ça coûte 5 élixirs le truc de gobelin. Donc forcément voilà quoi. Donc tu vois tout à l'heure il m'a touché ma tour et. Mon bâtiment là, mon bâtiment de gobelins. Et donc du coup, bah, je me dis, ah ouais, tiens, bah, je vais faire pareil, tu vois. Bon, je vais pas toucher sa tour par contre, parce que bon, minimum de respect pour la personne en face. Mais malgré tout, tu vois, j'ai quand même envoyé une boule de feu histoire de détruire un peu
ces cabanes. Mais bon, malgré tout, ça reste quand même... ça reste quand même hallucinant, quand même. Parce que le mec, enfin... Je sais pas, quoi, le mec, il est là, il est niveau 3, puis... Tu peux rien faire contre moi. Non, bah non, bah non. Parce qu'en fait, le truc, c'est que lui, il a pas d'expérience, tu vois. Le mec, il est là, il a joué depuis, allez, quelques jours, et puis c'est fini, quoi. Alors que moi, ça fait des mois que je joue à le jeu, j'ai de l'expérience, tu vois. À force, je sais comment contrer, je sais comment... Bon, j'ai mis un petit temps avant de me remettre bien comme il faut, étant donné que c'est pas les mêmes... tu vois, ça fait pas le même nombre de dégâts, ils ont pas le même nombre de vies, du coup, il faut un petit peu se réhabituer à tout ça. Et puis c'est vrai que à ce niveau-là c'est un peu moins stable, tu vois, donc c'est vraiment dur de réussir quand même à contrer facilement et à, enfin c'est pas aussi stable que tu vois là par exemple j'aurais pu toucher sa tour mais je l'ai pas fait parce que voilà c'est trop facile sinon et le truc du coup c'est que par rapport à ça c'est assez compliqué. Par exemple la Valkyrie elle fait beaucoup de dégâts à ce niveau-là. Comparé au grand niveau, elle fait un peu moins de dégâts, tu vois. Et là, elle fait vraiment beaucoup de dégâts. Et par exemple, la sorcière aussi, par rapport. Par exemple, tu seras plus haut, tu auras pas forcément. Tu vois, tu auras genre niveau 2 ou truc comme ça, ce sera pas bien plus fort. Donc à ce niveau-là, tout ce qui est épique et rare, c'est vraiment puissant, tu vois. Genre le dragon est plutôt puissant à ce niveau-là. C'est pour ça qu'au début, j'utilisais d'ailleurs. J'utilisais parce qu'il était bien au début. Mais après, à force de monter, les autres troupes à côté, les communes, les rares, ça augmente, et puis les épiques, bah ça reste au même stade, et du coup, bah ça devient moins stable, enfin ça devient moins stable, ça se, tu vois, ça se remet, comment dire, en gros les épiques au début sont vraiment puissantes par rapport aux rares et aux communes, mais après plus tu montes, et plus les épiques, bah finalement, bah vu qu'elles montent pas, elles sont moins puissantes par rapport aux rares qui elles montent, et aux communes aussi qui montent beaucoup, donc du coup forcément, c'est au début, il y a un déséquilibre, quoi. Donc voilà, regardez-moi ça au dernier moment. Le petit géant, ça c'est bon, ça. Oh là là là. Allez, c'est parti, on va faire la troisième. La défaite. Voilà, la défaite. Vous êtes contents? La petite défaite, c'est parti. Troisième attaque, la défaite. Donc ça va être la dernière attaque. Ouh, attendez. Ça va être la dernière attaque. Je dis ça. C'est vrai que... Je sais pas, on verra. On verra, ok. Voilà. Alors, vous avez vu, il y a du géant niveau 2 quand même. Ah, c'est pas rien. Voilà, donc, alors, comment ça va se passer? Je me rappelle plus trop, mais j'ai dû perdre vraiment de pas grand-chose. Hein. Si, je crois qu'il m'avait bien submergé quand même, hein, le petit. Hein. Donc, là, j'ai attendu par rapport justement au fait que je savais pas où mettre mes gobelins. Je savais pas comment faire, donc du coup j'ai tenté d'attendre que la sorcière arrive. Enfin bon, j'ai attendu. Des fois, je réessaye de réfléchir. Du coup, j'attends et je perds un petit peu du temps, mais bon, c'est pas très grave. Alors déjà dès le début, il m'a quand même un petit peu. On va pas le dire, hein, mais bon. Voilà quoi. Je pense que vous avez vu. Comparé à ce que je lui ai fait, il m'a fait quand même pas mal de dégâts. Bon, le PK n'est pas vraiment bien passé, la sorcière qui se fait target tout de suite, hein, qui se fait toucher dès le début, ça passe vraiment pas, la Valkyrie qui détruit tout, bon, voilà. Dès le début, j'ai pas vraiment bien joué. Bon, disons que je vais pas forcément faire mieux après, mais bon, voilà, c'est un petit à petit, après, tu vois un petit peu comment la personne joue, tu vois quelle troupe elle a, et généralement, c'est comme ça que tu fais des retournements de situation assez sympathiques, mais là, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Oui, donc du coup, là, il va, normalement, si je me rappelle bien, il va la tour de droite, là, il va la détruire en lançant un fût de gobelin, si je me rappelle bien. Bon, sinon, c'est sur un autre gameplay, mais ça m'étonnerait. Et donc, du coup, voilà, par contre, j'ai un peu mieux défendre au niveau, justement, du sorcière géant. Parce que ce sera plus facile pour moi, du coup, hein, étant donné que je sais maintenant comment ça se passe, donc je peux anticiper. Ah, non, carrément! Ah ouais, c'est vrai, d'accord, ok. Ouais, franchement, je ne m'attendais pas à faire ça, mais c'est vrai que là, j'ai joué le coup de poker au niveau de... Parce que je me suis dit, le mec, il est là, ouais, donc c'est sur un autre gameplay au niveau du flux à gobelin, je suis ailleurs. Et donc, du coup, le mec, tu vois, je me suis dit, le mec, il est là, il envoie toutes ses troupes à droite, et donc, du coup, je me suis dit, jamais il va défendre, tu vois, jamais il va défendre. Et moi, je me suis dit, allez, on est des fous, on va envoyer du PK, enfin, envoyer la grosse masse et tout à gauche. Ça sera celui qui va le plus vite
Et malheureusement, bah après, j'ai essayé de défendre un petit peu quand même pour qu'il casse pas trop vite ma tour et que je casse avant lui. J'ai essayé de défendre, mais malheureusement, j'ai envie de te dire que je me suis fait exploser. Donc, effectivement, à ce niveau-là, c'est la Valkyrie. Je crois que j'avais envoyé la Valkyrie, mais elle s'est fait détruire en 2 secondes chrono. Enfin bon, du coup, ça, j'ai pas assez défendu et je me suis fait démonter. Effectivement. Bon, oui, bah tu vas cliquer, oui. Pourquoi tu cliques pas? Ok, d'accord. Bah pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, je vais juste voir un truc. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Ouais, bon, allez, on est chaud. On fait en 2 fois, voilà. Ah, vous êtes content. Allez, c'est parti. On va se finir là-dessus. Non, l'attaque d'avant, quand même, était pas mal. C'était une défaite, mais franchement, c'est limite le mec, je le tuais, quoi. C'est limite le mec, je le tuais. Bon, alors, ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va aller du géant, comme d'hab, non? Ah oui, bah non. Ah bah si, d'ailleurs, j'ai envoyé le géant. Mais je pensais plus au petit gobelin, quand même. Hein. Ah, t'as vu, il a envoyé la boule de feu sur la tour. Histoire de se dire, allez hop, je t'ai détruit un peu la tour. Bah t'aurais mieux fait de les garder pour envoyer sur les gobelins. Mais bon, après, ouais, je dis ça comme ça. Hein. Ouais, donc là, tranquillou avec la petite gabane de gobelins, là. Ça fait toujours plaisir. Pour faire un maximum de dégâts dès le début, hein. Derrière le petit géant, comme ça. En mode, enfin bon. Voilà. Non, mais bon, voilà, en gros, en mode protégé, quoi. Hein, voilà. Bon. du coup, j'ai envie de vous dire, petite princesse, histoire de. Ah, de tout défoncer. Ah, bah oui, hein. Bah. Non, parce que le truc, c'est que, bon, devant, t'as une petite mousquetaire qui fait du coup par coup. Bon, j'ai envie de te dire, elle est un peu lente. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une princesse. Enfin, qu'une princesse. Trop dans la tête. Qu'une sorcière pour défendre avec les petits squelettes qui spawnent dès le début, c'est parfait, quoi. Forcément, c'était le meilleur choix sur le coup qu'il y avait pour défendre. Donc, c'est pour ça que j'ai envoyé ça. Là, on a. Du petit gobelin au cas où, ouais, j'ai envoyé du petit gobelin au cas où pour faire un petit peu de dégâts seulement. Ah, le bombardier qui fait très mal. Je l'ai envoyé en même temps qu'il a envoyé le bombardier. Du coup, je me suis dit, oh là là, pourquoi j'ai envoyé le bombardier? Après, j'ai envoyé du PK quand même. Hein. J'ai bien fait d'envoyer mini PK comme ça. Dès le début, le mini PK, c'est vrai qu'il est quand même plutôt cheaté. Hein. Il est un peu compliqué à contrer. Enfin, oui et non. Mais disons qu'il est un peu compliqué à contrer. Et puis, il est plutôt cheaté. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors, par contre, je crois que c'est la dernière attaque ou l'avant-dernière, je sais plus. Ah ouais, mais du coup on la voit pas maintenant, mince. Oh. Non, laissez tomber. Non, laissez tomber. On verra ça demain, vous allez voir. Petite attaque plutôt sympathique. Dans les prochaines, peut-être pas dans les prochaines, mais en tout cas, je crois l'avant-dernière ou la dernière est vraiment sympathique. C'était, enfin, si je me rappelle bien, non, c'est peut-être. Ah, je confonds peut-être avec mon compte principal. Ouais, effectivement. Ah, bah, je vous ai peut-être rien dit finalement. Regardez-moi ça. Oh là là là, la sorcière, tout le groupe et tout. Moi, j'ai fait masse de troupes, tu vois. J'ai mis masse de troupes. Hop là, j'ai fait. Oh là là, j'ai fait un truc de ouf. Ah, super combat comme d'hab. Et puis, bonne chance, non? Oh, j'ai pas dit bonne chance? J'ai pas dit bonne chance. C'est pas bien ça. Eh, attendez, juste avant de partir. Je vous ai dit quand même. Qu'il allait pas avoir du vidéo ce week-end, enfin pas trop de vidéos ce week-end, tu vois que ça allait être dur. Et finalement, il y a genre je sais pas combien de vidéos, genre comme jamais quoi. Non mais franchement, ça fait plaisir. En attendant, moi je vais essayer sur ce, je vais dire ciao et puis n'oubliez pas, restez cool.